Lesquelles de ces équations correspondent au graphique ci-dessous? Alors, avant de regarder ces équations, on va regarder ce qu'il se passe dans le graphique. On a une droite ici et puis on a deux triangles rectangles ici et là dont l'hypoténuse est en fait un segment de la droite. Et si on regarde ce petit triangle par exemple, eh bien ce côté c, en fait, c'est la variation de y quand on va de ce point à ce point. Et le côté D, eh c'est la variation de X. Quand on part de ce point pour arriver à ce point, d'abord on se déplace horizontalement de D et ensuite on se déplace de C verticalement. Si on va de ce point à ce point, B c'est la variation de X et A c'est la variation de Y. Et on sait que quand on a une droite, la variation de y sur la variation de x entre deux points de la droite, n'importe lesquels, c'est toujours constant. Et on appelle ce ratio de la variation de y sur la variation de x la pente de la droite, ou le coefficient directeur. Et on sait aussi que ces deux triangles sont semblables on a vu ça dans la vidéo précédente, et donc le rapport entre deux côtés correspondants va être le même. Ces deux triangles sont évidemment des triangles rectangles puisque ces segments sont horizontaux et ces segments sont verticaux. Et donc le ratio entre ce côté et ce côté-là est égal au ratio entre ce côté et ce côté-là. Je peux donc écrire A sur B, c'est égal au ratio C sur D. Alors voyons lesquelles de ces équations sont correctes. Y plus 1 sur X plus 2 est égal à A sur B. X, Y, c'est ce point-là. Mais Y plus 1, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout ça, puisque cette partie-là, c'est Y, plus cette partie-là, c'est Y plus 1, puisque ça, c'est 1. Donc toute cette partie-là, c'est Y plus 1. Y plus 1, c'est en fait le côté C. Et toute cette partie-là, eh bien, c'est X plus 2. Puisque tout ça, c'est x. Si on veut aller jusque-là, eh il faut rajouter 2. Donc tout ça, c'est x plus 2. Et on sait que le ratio de cette distance sur cette distance, eh c'est toujours le même. Donc on peut écrire y plus 1 sur x plus 2, c'est égal à c sur d, puisque y plus 1, on vient de dire, c'est c. Et x plus 2, et eh bien c'est d, donc c'est sur d, ce qui est la même chose que a sur b. Et c'est bien ce qu'on nous dit ici. Donc cette première équation est correcte. Ensuite, pour l'équation suivante, eh bien on a inversé y plus 1 et x plus 2. Alors, si on inverse, x plus 2 passe au numérateur et y plus 1 passe au dénominateur. Si ce ratio est toujours constant, alors. Pour l'inverse de ce ratio, eh bien, c'est la même chose. Donc ça, ça va être égal à l'inverse de c sur d, donc d sur c, et à l'inverse de a sur b, donc b sur a. Est-ce que c'est ce qu'on a ici Eh bien, non, puisque tout est mélangé. Ici, on a a sur d et x plus 2 sur y plus 1. et eh bien, ce n'est pas la même chose que a sur d. Donc, ce n'est pas vrai. Ensuite, on nous dit y sur x égale c sur d. Qu'est-ce que y sur x eh bien, y, c'est ça. C'est toute cette partie-là, c'est y. Et x, eh bien, c'est toute cette partie-là. Tout ça, c'est x. Et si on construit un triangle rectangle comme ça en reliant ces deux points, tu vois que l'hypoténuse ici, ce n'est pas un segment de la droite, ce n'est même pas parallèle à la droite. Donc, ce triangle n'est pas semblable aux autres triangles ici. Donc, ça, ce n'est pas vrai. Y sur X, ce n'est pas égal à C sur D. Et enfin, on nous dit C sur D. Alors qu'est-ce que c'est C sur D Eh bien C, c'est... Alors je vais repasser encore une couche de couleur. C, c'est toute cette distance-là. C. Et D, eh bien c'est toute cette distance-là ici. C'est D. Et C sur D, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est notre pente ici, c'est la variation de Y sur la variation de X. Et on nous dit c sur d c'est égal à a sur b. a c'est toute cette distance là et b c'est toute cette distance là. Et ça aussi c'est la pente et on sait que dans le cas d'une droite c'est constant. Donc cette dernière équation c sur d égale a sur b est correcte.